Salut les petits loulous, ça va? M'en fous! Tu fais quoi là? Bah rien, j'ai essayé un truc pour le GM Time de. Ah bah essaye chez ta mère! Ouais. Salut les rabat-joie, ça va? J'entends comme le steak tartare, continue à chouiner que c'était mieux avant, je t'écoute pas! Ce qui était mieux avant, c'est quand t'étais pas encore née! Allez Marie-Charlotte, enfile ta culotte et lâche-moi la biscotte! C'est l'heure du GM Time! On est là, tranquille, entre nous, tous les lundis, c'est notre petit rendez-vous des familles, chicha, voilà, avec ou sans les doigts. Et on aborde de vrais sujets intéressants! Donc toujours pas slam sur France 3. Bisous sur ton front, Cyril, t'as refait tes mèches? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du don d'organes! Maria Callas, merci, range ta glotte, cet organe-là, tu peux te le garder. Donc, le don d'organes. Oh, merci Jean-Marc, tu n'as de cesse que de véhiculer un message d'amour, de tolérance et de paix. C'est vrai ça, si on s'aimait un peu plus, le monde serait meilleur. Le vivre ensemble n'est-il qu'une fantasque utopie? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Ta gueule, Miss Poitou! Garde ça pour le gros micro de Jean-Pierre Foucault! Bref! Si vous êtes en attente d'une greffe, appelez le 7-12-13 et vous pourrez recevoir chez vous mon zizi! Surtout n'oubliez pas d'hydrater avant. Allez, salut! Les trouducs! Stop! C'est pas fini, on se concentre, on parle sérieux là! Alors il faut savoir qu'aujourd'hui en France, selon la loi, premièrement vous avez l'air de connard quand vous roulez en trottinette, et deuxièmement, le don d'organes repose sur la loi du consentement présumé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de registre national du oui. C'est-à-dire qu'il existe, à contrario, un registre national du non. Oui? En fait, ton oui, il est induit. Oui, mais ça paraît inouï, non? Ah putain, prélevez-moi tout et fermez-la! Ah, ça fait du bien. Je disais quoi déjà? J'ai déjà parlé de Cyril Ferraud? En fait, si t'es vivant et à peu près capable d'utiliser ton cerveau, tu dis que tu veux pas donner tes organes, et ben personne viendra te pécho tes poumons quand t'auras claqué. Donc là, tu seras pas donneur. Mais ça, en vrai, on s'en branle, parce que t'es qu'un gros égoïste. Et je viendrai personnellement te déguiser en maîtresse sadomaso avec des pinces à tétons sur ton lit de mort. Pic 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 sur tes tétons. Attention, les chiffres! En 2018, l'activité du prélèvement a progressé avec 1743 donneurs d'organes. 5805 greffes ont été possibles. J'ai eu 2740 fois envie de te casser les dents avec un marteau. Heureusement, ta sœur m'a 238 fois et elle a eu 0 morpion mais 7 torticolis. Pour les greffes, c'est bien, mais en vrai, c'est rien. Cela ne permet pas d'écourter l'attente de ceux qui attendent quoi. Toujours en 2018, il y avait 24 791 personnes en attente d'une greffe. Bon, c'est toujours moins que ceux qui attendent un remboursement de la SNCF. Donne-moi ton rein, dis-moi que tu m'aimes, la greffe a sonné, ça signifie que t'es mort et pas moi. Oh, ça va! Tout ça pour dire que je suis pas venu pour vous convaincre, ni pour vous forcer, hein? Je suis pas médecin légiste. Mais si vous êtes pas trop con, vous m'aurez compris. Parlez-en à votre famille, à vos amis. J'ai qu'un seul argument. Ça sauve des vies. C'est un cadeau que vous pourrez faire de votre vivant ou pas. Et vous sauverez un proche ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous aimera à vie. C'est quand même bien quelqu'un qui nous aime. Moi, j'aime quand on m'aime. Et puis franchement, j'en connais pas beaucoup qui refuseraient un petit bout de Jean-Marc. Va faire un tour sur dondorgane.fr ou sur le ministère de la Santé. Il y a toutes les infos, même si c'est moins drôle qu'ici. Tout le monde est concerné. Donc en gros, si tu as du cœur, donne-le. Allez, salut, les trouducs.